Bonjour, ce court clip vidéo a pour but de vous montrer comment configurer une alerte afin d'être notifié si une personne qui collabore avec vous sur un document modifie ce même document-là. Alors, pour les personnes qui désirent le savoir, être notifiées à tout moment quand d'autres modifient un document, voici comment faire. D'abord, première étape, il faut que le document en question soit hébergé dans votre répertoire OneDrive. Alors, première étape, on s'y rend, on clique sur la tuile OneDrive. Pour les besoins de la cause, j'ai créé un sous-dossier et j'ai quelques fichiers. On peut effectuer cette alerte, on peut programmer une alerte autant sur un document Word qu'un document PowerPoint, Excel et même sur un document OneNote. Faisons le test avec un document OneNote justement, mais on ne peut malheureusement pas le faire avec la nouvelle interface de OneDrive. Il faut, donc deuxième étape, cliquer en bas à gauche sur « Revenir à l'expérience OneDrive classique ». C'est seulement à ce moment-là qu'on aura accès au menu fichier ici qui est important. Mais avant d'y aller, il faut cliquer à la gauche de notre fichier pour signaler là, que c'est ce fichier-là qu'on veut, sur ce fichier-là qu'on veut programmer une alerte. Alors, j'ai sélectionné mon fichier, je clique sur le menu fichier et là, je vais choisir « M'avertir ». Puis dans « M'avertir », j'ai « Définir une alerte sur ce document ». Alors, c'est à ce moment que j'ai accès à un formulaire qui est très bien, qui me donne beaucoup, beaucoup de possibilités. Entre autres, mettre d'autres noms de personnes de la commission scolaire ou des adresses de courriel. Donc, toutes ces adresses-là ou ces noms-là vont recevoir en même temps que vous des courriels, parce que c'est la façon, en tout cas, que j'ai testé qui fonctionne bien à toutes les fois que le document est modifié. Ben, je dis à toutes les fois, en fait, moi, je laisserai ça comme ça ici pour toutes les modifications, mais particulièrement pour les fichiers OneNote. C'est assez intéressant de ne pas choisir immédiatement, mais plutôt un récapitulatif quotidien. Donc, une fois par jour, s'il y a eu des modifications sur le document, vous aurez un courriel qui va vous préciser là, qui a modifié quoi, quand. Alors, c'est relativement intéressant. Peut-être est-ce pertinent de choisir une notification immédiate dans certains cas où vous voulez vraiment tout de suite le savoir quand c'est modifié, mais je ne vous conseille pas de le faire pour un fichier OneNote. Il y a une façon particulière d'enregistrer là, constamment, même s'il n'y a pas de modification qui fait en sorte que ça semble être des modifications pour le système. Bref, peut-être pour un document Word ou PowerPoint ou Excel qui n'est pas modifié souvent, ça peut être une bonne idée. Sinon, je vous encourage fortement à choisir le récapitulatif quotidien. Puis, gênez-vous pas pour changer les autres paramètres aussi. Bref, c'est de cette façon que vous pourriez donc apporter une alerte, configurer une alerte et suivre de très près un fichier que vous avez dans votre répertoire OneDrive. Merci, bonne journée.